Alors que le président américain Donald Trump a demandé aux États européens d'accueillir leurs ressortissants partis faire le djihad en Syrie, les différents pays du vieux continent demeurent divisés sur la question. Derrière la demande états-unienne plane en effet le risque de multiplication des cellules terroristes partout en Europe. La procréation médicalement assistée, futures bombes sanitaires, de plus en plus d'études scientifiques mettent en avant la corrélation positive entre des troubles physiques ou mentaux chez les enfants nés d'une PMA. Les Français toujours plus mauvais en orthographe. Selon un sondage, le niveau est en chute libre dans les CV. Une faille qui pose un réel problème dans les recrutements professionnels. Madame, monsieur, bonsoir. Les États-Unis somment les États européens de récupérer leurs ressortissants partis faire la guerre en Syrie. Un rapatriement qui divise les nations européennes et pour cause. Le retour de ces djihadistes a de fortes chances d'augmenter le risque terroriste. Olivier Frère-Jacques. Donald Trump demande aux partenaires de la coalition internationale de rapatrier leurs ressortissants retenus en Syrie, comprendre les fanatiques partis vers le djihad au Proche-Orient pourraient bientôt faire leur retour chez nous. Alors que l'État islamique n'aura bientôt plus d'existence territoriale, le président américain affirme qu'il n'y a pas d'alternative au retour au pays des individus de nationalité européenne, sans quoi ces derniers seraient libérés des camps où ils sont actuellement internés. Un message adressé particulièrement au Royaume-Uni, à la France et à l'Allemagne. Une déclaration tranchée qu'ont cependant tenu à nuancer les autorités du nord-est de la Syrie, qui affirment de leur côté qu'elles ne relâcheront jamais ces détenus, mettant en garde les gouvernements européens contre des djihadistes qualifiés, sans jeu de mots, de bombes à retardement. Et une fois de plus, les États européens ne sont pas unanimes sur la question. Le chef de la diplomatie européenne, l'Italienne de centre-gauche, Federica Mogherini, a ainsi réaffirmé la compétence propre de chaque pays en la matière, une manière de ne pas mettre au grand jour la faillite des négociations intra-européennes, une incapacité à trouver une ligne commune qui n'est pas sans gravité. L'Europe étant un espace à frontières ouvertes, il suffit qu'un État accepte le retour et la libération de ses ressortissants djihadistes pour que n'importe quel autre pays en paye les conséquences. La France, habituellement réticente à voir revenir ses brebis galeuses, semble désormais ouverte à un retour au cas par cas, une position à prendre avec des pincettes, les services français pouvant se montrer ouvertement dociles tout en appliquant une politique plus serrée sur le terrain. Le Royaume-Uni et la Suède ont pour leur part rejeté l'appel de Donald Trump, estimant que ces individus doivent être jugés sur le lieu des crimes commis, quand l'Allemagne reconnaît un droit fondamental au retour. L'Autriche a pour sa part émis des doutes quant aux modalités pratiques d'un retour des ressortissants djihadistes. Des positions diverses donc face à des individus parfois coupables de crimes contre l'humanité, mais pas seulement. Certains terroristes de nationalité française notamment étaient partis voir si l'herbe était plus verte du côté du califat avec femmes et enfants. Et si certaines femmes ont pu participer à des exactions, cela ne serait pas la norme. Ces dernières servent désormais d'argument pour un retour au pays. Avec à la clé un discours victimaire pour le moins abject. J'espère euh, bah, retourner en fait, euh, dans mon pays et ne plus faire subir ça à mes enfants. En fait, en fait c'est dur par rapport aux enfants. Quand on a des enfants c'est très difficile de les voir toute la journée. Euh, euh, maman j'ai faim, maman j'ai faim. J'ai un fils qui a 7 ans, euh, mentalement ça l'a un petit peu euh, réduit. En fait. Un fils diminué mentalement. Il aurait peut-être fallu y penser avant de partir faire la guerre au Proche-Orient aux côtés des terroristes. Ces femmes, qui ont finalement fui l'État islamique, agonisant, plus poussées à l'exil par la faim que par les remords, tentent aujourd'hui de montrer patte blanche, sans pour autant jamais renier leur engagement. Je comprends pourquoi ils ont des, des réserves, enfin des craintes. Je comprends d'un côté, c'est normal. Mais bon, après, on est des gens normaux, on dit normalement. Hein. Cette... On n'est pas des animaux. Pas des animaux, certes, mais potentiellement des criminels. Et des criminels qui pourraient rejoindre la France et favoriser un peu plus le développement d'un islam sunnite radical. Un risque de formation de cellules terroristes que l'on retrouvera en milieu carcéral, où certains individus seront placés, mais aussi en liberté, plus ou moins surveillés, comme c'est déjà le cas des primo-revenants d'autres organisations terroristes parties avant la fondation du califat. Pour rappel, d'ici 2020, 65% des personnes condamnées pour terrorisme seront sorties de prison. Ajoutez à cela une vague de retour d'anciens de Daesh et le risque terroriste pourrait ainsi se trouver encore plus menaçant. Les attentats terroristes ont déjà fait environ 250 morts sur le sol français depuis 2015 la procréation médicalement assistée laisse t elle présager un futur désastre de santé publique? avec plusieurs études scientifiques à l'appui on observe que les enfants nés de pma présentent davantage de problèmes physiques et mentaux que les enfants conçus naturellement. explication capacité motrice et quotient intellectuel plus bas risque d'autisme ou de maladies accrues. de nombreuses études scientifiques mettent en avant les problèmes rencontrés par les enfants issus d'une procréation médicalement assistée. Alors que les gouvernements successifs avancent toujours plus vers la libéralisation de cette pratique, une véritable question de santé publique est en train de se dessiner. Déjà en mai 2013, l'université chinoise de Zhejiang alertait sur une surreprésentation des troubles périnataux et des anomalies congénitales, mais également des capacités reproductives altérées chez les enfants issus d'une PMA. Laetitia Pouliken, bioéthicienne et fondatrice de NBIC Ethics et de Woman Attitude, explique que l'étude chinoise est loin d'être la seule à avoir mis en avant ces problèmes. En 2003, vous aviez une des chercheurs australiens qui mettaient le doigt sur l'augmentation d'enfants qui souffraient d'une maladie rare et en parallèle des chercheurs français euh, faisaient ce même constat avec des chiffres moins importants et je mentionne cette étude pourquoi Parce que l'étude française a été biffée, rayée, elle n'a pas pu paraître. J'ai interviewé Alexandra Horion-Côte qui est généticienne et chercheure à l'INSERM et elle explique qu'effectivement on comprend que la manipulation mécanique des gamètes comme on peut le faire effectivement dans une boîte de pétri, dans un laboratoire, euh, et bien que ces embryons in vitro euh, est tout à fait distinct d'une manipulation biologique et qu'elle occasionne un stress cellulaire. Et elle explique en effet que euh, les suivis d'enfants nés de PMA euh, présentent des maladies épigénétiques euh, qui pouvaient être multipliées par 3 ou 4 selon les études. Des risques de maladies accrues donc, mais pas seulement. Une étude australienne de 2018 a mis en exergue des troubles de la fécondité. Ainsi, les hommes issus d'une PMA où le spermatozoïde a été directement injecté dans l'ovocyte présenteraient une qualité de sperme plus faible. Un constat troublant puisque la PMA est régulièrement présentée comme une solution à l'infertilité des couples. En effet, le procédé lui-même aurait sa part dans la dégradation progressive des facultés reproductrices de la société. En 2017, les naissances issues de PMA ne représentaient que 3,3% des naissances, mais la volonté des gouvernants de l'étendre toujours plus laisse présager des conséquences exponentielles. On parle d'une PMA sociale aujourd'hui au titre de la non-discrimination, mais ce que l'on oublie de mentionner comme d'habitude, c'est l'enfant. L'enfant, lui, il a il a même plus accès à ses origines. Euh, on fait une espèce d'ubérisation de la procréation, et ça me paraissait très important de revenir au préalable, qui était que effectivement la PMA est une manipulation qui cause un certain nombre euh, de défauts euh, et de baisses de santé métabolique et reproductive en particulier, qui crée ce cercle euh, vertueux pour certains et vicieux pour d'autres, euh, menant à euh, de plus en plus d'enfants nés par PMA. Euh, de manière euh, endémique. Euh, Laurent Alexandre parlait dans Bienvenue à Gataka euh, de, de tous les enfants euh, de toutes les générations à venir qui seraient nés par PMA Eh bien euh, si ce n'est pas pour raisons idéologiques, ça pourrait être pour des raisons de santé, tout simplement. Au final, l'industrie qui se construit peu à peu autour de la PMA semble avoir instauré un cercle vertueux pour son business, au mépris de tous les principes de précaution. Au fil de la démocratisation de cette pratique, de plus en plus d'individus stériles pourraient donc avoir de plus en plus besoin d'une assistance médicale pour la reproduction. L'orthographe, péché mignon des Français, un péché qui peut coûter cher lors d'une recherche d'emploi. Puis plus d'un recruteur, pardon sur deux, assure que l'orthographe est un critère qui pèse lourd dans leur choix. Thibaut Bastide. L'orthographe, cauchemar des petits et des grands, selon un sondage publié lundi, 52% des directeurs des ressources humaines assurent que l'orthographe est un réel critère de recrutement, pouvant jouer dans le rejet d'une candidature. Confusion entre le participe passé et l'infinitif, consonne double, faute d'accord, beaucoup d'erreurs apparaissent rédhibitoires et le mal ne s'arrange pas avec le temps. En effet, en trois ans, la moyenne des fautes dans les documents de candidature n'a cessé d'augmenter. Chez les hommes, on est passé de 15 fautes d'orthographe en 2016 à 19 en 2018. C'est donc plus d'une erreur supplémentaire chaque année dans le CV. Un véritable fléau pour l'emploi puisque plus d'un DRH sur deux affirme avoir déjà mis de côté, une candidature à cause des fautes d'orthographe. Au-delà de la petite faute d'inattention, les recruteurs peuvent voir un manque de respect, de politesse ou plus largement un laxisme ou un manque de professionnalisme. Certains vont même jusqu'à s'interroger sur l'intelligence du candidat. Le sujet est d'ailleurs si important que de plus en plus d'entreprises proposent désormais des formations à leurs équipes. Et à en croire un autre chiffre mis en évidence par l'étude, ce n'est vraiment pas du luxe. Trois salariés sur quatre feraient en effet très régulièrement des fautes d'orthographe. Un fléau qui constitue également un réel révélateur social et éducatif. En effet, si les employeurs se montrent impitoyables avec les jeunes qui font des fautes lors de leur entrée sur le marché du travail, parallèlement, des consignes sont parfois données aux examens pour ne pas pénaliser les élèves mauvais en orthographe. De surcroît, le recrutement hasardeux de professeurs vacataires avant même d'avoir passé les concours de l'enseignement n'arrange rien. Autre facteur aggravant, l'usage de plus en plus intensif d'outils électroniques, de quoi appauvrir dangereusement l'enseignement formel de la langue, un affaiblissement général de l'école qui ne permet plus de compenser les failles des enfants issus des milieux dits défavorisés. Et face à cette descente en flèche du niveau, à défaut de trouver des solutions du côté de l'enseignement, on préfère penser à l'écriture inclusive et aux réformes de simplification orthographique. Et on reste avec Thibaut Bastide pour l'actualité, en bref. Les ultras n'ont pas la main sur les gilets jaunes. Ce mardi, le patron de la DGSI, Nicolas Lerné, a affirmé que les individus dits radicaux étaient plus nombreux et plus visibles dans les rassemblements, du fait de la diminution du nombre de manifestants. D'ailleurs, il a pointé du doigt la capacité de l'extrême-gauche à faire dégénérer des manifestations, mais également à conduire des actions clandestines. La DGSI surveillerait près de 2000 profils de ce type, de quoi donner quelques petits indices pour anticiper les possibles débordements lors des prochains rassemblement. Nice s'inspire du modèle chinois. Lundi, le maire Les Républicains de la ville azuréenne, Christian Estrosi, a annoncé que la Commission nationale de l'informatique et des libertés avait autorisé la municipalité à tester un système de reconnaissance faciale sur la voie publique via ses caméras de vidéosurveillance. L'expérimentation devrait se faire dans une partie de l'enceinte du carnaval de Nice avec des personnes volontaires. Selon Christian Estrosi, la reconnaissance faciale pourrait notamment servir à identifier une personne recherchée par la police mais aussi à surveiller tout le monde. Après, où est Charlie Où est le schizophrène Samedi, à Évry-Courcouronne, en région parisienne, un individu a été interpellé après avoir agressé un homme sur le quai du RER. Placé en garde à vue, il a été examiné par un médecin qui a ordonné son hospitalisation. Problème L'individu qui présente des troubles schizophréniques a pris la fuite juste avant son transfert. Malgré la mise en place de nombreuses patrouilles, le trentenaire reste introuvable et a de nouveau agressé une personne dimanche matin sans que les forces de l'ordre n'arrive à lui mettre la main dessus. Défection en série chez les travaillistes britanniques. Lundi, sept députés du Labour ont démissionné du parti de Jérémy Corbyn. Les élus reprochent au chef de file du parti d'opposition sa position sur le Brexit et sa gestion des soupçons dits d'antisémitisme qui pèsent sur lui. Lors de leur départ, ils ont dénoncé la prise en otage du parti par l'extrême-gauche. Désormais, ils siégeront aux communes sous l'étiquette d'indépendants sans pour autant former un parti politique. Ces défections ne changeront pas l'équilibre à la Chambre des communes. Où Theresa May possède une faible majorité absolue, mais elles affaiblissent le Parti travailliste à un moment où il essaie de profiter des difficultés du Premier ministre britannique. Le Kremlin fait le tri dans les manuels scolaires. Entre 2014 et 2018, la liste des ouvrages pouvant être achetés par les établissements scolaires russes a été réduite de 71%. En cause, les nouveaux manuels ne créent pas l'amour de la patrie. Ainsi, un ouvrage destiné aux élèves de première et terminale a été retiré car il mentionne notamment une étude en Ouganda sur l'épidémie de VIH, un sujet qui ne correspond pas à l'âge et nuit à la santé mentale et au développement de l'enfant, selon les experts de l'Académie d'éducation. Et on termine avec une triste nouvelle, Karl Lagerfeld n'est plus le directeur artistique de la maison de luxe Chanel et décédé ce mardi à 85 ans. Admis en urgence à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, Karl Lagerfeld aurait succombé à un cancer du pancréas. Directeur artistique pendant 36 ans, celui que l'on surnommait Kaiser Lagerfeld n'avait jamais manqué un défilé avant de voir sa santé décliner. Pendant sa carrière, Karl Lagerfeld a fait émerger des mannequins stars, la française Inès de la mais aussi l'allemande Claudia Schiffer. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, découvrez un nouvel épisode de la Petite Histoire. Cette semaine, Christopher Lann nous parle de la traite arabo-musulmane. Ah, ces Occidentaux, ces hommes blancs de plus de 50 ans, sans eux, sans leur cruauté, eh l'humanité baignerait dans la douceur, dans l'amour, dans le partage. Ça, c'est la version officielle, celle qu'on nous rabâche à longueur de discours, d'articles, de journées de commémoration. Mais est-elle vraie oui, les Occidentaux ont pratiqué l'esclavage, mais peut-on aller jusqu'à dire que ce sont les seuls, les pires, voire à nier toute autre forme d'esclavage? Parce que si on prend 5 minutes pour se renseigner un peu, attendez voir. Tiens, traite arabo-musulmane, 17 millions d'esclaves, razzia violente, castration systématique des noirs, infanticide, traitement épouvantable. Oh, voilà un terrain glissant sur lequel il doit être fortement déconseillé d'entrer. Eh ben, on va entrer. Et puis ce soir, on retrouve également passé présent. Philippe Conrad évoque l'histoire de la Perse à partir du 19e siècle et jusqu'à la proclamation de la République islamique d'Iran le 11 février 1979. Et puis tout de suite, vous avez rendez-vous avec Christian Combass pour la France de Campagnol et François billot lochner pour Mes libertés politiques. À présent, c'est le moment de se quitter. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Le maire de Saint-Barnabé, qui sent monter la colère de ses habitants, est en train, comme on dit, de péter les plombs. Il nous fait tout un psychodrame en ce moment sur l'ordre public. J'en parlais hier avec Gustave, c'est lui qui m'a raconté euh, qu'il avait lu un arrêté municipal stipulant que les 27 et 28 janvier, les personnes qui manifesteraient sur le quai, c'est-à-dire l'espèce de remblai pavé face à la mairie, seraient passées d'une amende. Le ton est monté, paraît-il. Seul le préfet, le préfet pouvait interdire une manifestation. L'autre a répondu, ce n'est pas une manifestation, c'est un attroupement qui met en péril l'ordre public. Donc, je résume, à Saint-Barnabé, euh, nous sommes en plein drame. Euh, le pire, c'est que le maire, qui a ses hommes de main, essaie de faire intimider les deux ou trois types qui manifestent contre lui avant qu'il ne passe à l'acte. Ce qui fait qu'on voit débarquer la garde prétorienne municipale dans une cour de ferme, pendant qu'un agriculteur, à remonté est en train de charger du fumier dans la benne de son tractopelle, et euh, qu'on lui dit de déposer le chargement sur le champ, parce qu'on sait très bien qu'il est destiné à couvrir le fumier, le perron de la mairie. Pas du tout, dit l'agriculteur, j'allais en mettre au champ. Donc c'est la guerre, et on craint que quelqu'un ne finisse par se faire mal, mais les opposants au maire ne veulent pas lâcher le morceau. Depuis plusieurs semaines, ils entendent dénoncer sa gestion autocratique, les avantages qui consent à certains habitants et pas à d'autres, ses discours prétentieux et interminables. Il y a quand même une sorte de permanence le samedi et le dimanche sur le quai. Naturellement, les gens portent un gilet jaune, hein, d'où le fameux prétexte d'ordre public. Il appelle ça l'ordre républicain, comme si la République était menacée par la mère Ginette et son petit Julien, son fils là qui trône en gilet jaune face à la mairie et qui en profite pour vendre du miel et des fromages. Il y a eu des jets de fromage, a dit le maire, ce qui est assez possible, mais ce ne sont pas les permanenciers qui l'ont fait. Le type est tellement détesté euh, que même les enfants l'ont pris en grippe et crié démission dans la cour de l'école. Alors donc Gustave, à qui j'en ai parlé, en présence d'un habitant de Saint-Barnabé, a dit au comptoir de, de, de chez vous, il, il faut faire euh, comme les vrais gilets jaunes, ceux de Paris, il faut déjà que vous cassiez la gueule aux trois personnes qui envoient des projectiles. Parce qu'il discrédite le mouvement. Donc déjà, vous nettoyez le terrain pour que le maire ne vous accuse pas de violence. Et puis ensuite, bah ensuite, il faut innover, mes amis. Euh, quel est votre but Qui s'en aille eh ben, je vais vous donner des recettes pour chasser un maire, surtout un maire qui s'accroche. Il y a la voie légale, évidemment. Il y a l'approche euh, psychologique. Euh, et euh, la voix illégale a dit euh, le seul habitant de Saint-Barnabé qui était là, c'est quoi euh, Non, non, a dit Gustave, euh, sérieusement, quand vous donnez des armes à, à celui que vous voulez combattre, euh, c'est ça la voix illégale. Il y a deux cas dans lesquels le maire de Saint-Barnabé euh, irait chouiner dans la presse, c'est si vous faisiez quelque chose de vraiment illégal, comme de casser les carreaux, ou si vous mettiez en danger la vie d'autrui, euh, euh, ou si vous causiez un accident par, par votre imprudence. Euh, un autre a dit, mais ils ont essayé de jouer cette carte avec les gilets jaunes. Ben, ça, je ne te le fais pas dire, a dit Gustave. Non, il a dit, vous avez la voie légale, la vraie voie légale, qui est de décider des conseillers municipaux à démissionner les uns après les autres, après quoi le maire n'a plus le quorum nécessaire pour faire voter ses délibérations, ou, ou alors vous avez carrément le chahut anarchiste, pas méchant, mais pas illégal, mais très voyant. Comme quoi, par exemple, on lui dit, et là Gustave s'est souvenu euh, de ses souvenirs de colonies de vacances, il a dit nous sommes arrivés à mettre un village sans dessus dessous en peignant juste le flanc d'un seul pneu sur les voitures. Et j'ai envie de suggérer la même chose aux gilets jaunes de Paris là, la semaine prochaine. On faisait un cercle à la clé, à la craie, pardon ou avec du plâtre sur le flanc du pneu. Et si tu dessinais un ovale, même vu de loin, la voiture avait l'air de, de faire tourner un lasso sur une roue avant, et le propriétaire était un peu ridicule, ça rendait les gens furieux, et pourtant il n'y avait pas de dégradation véritable. Et bien là, vous n'avez qu'à faire pareil. Alors je ne vois pas le but, a dit l'un des clients du bar, euh, mais, mais si, vous, vous, vous voulez attirer l'attention, signaler aux autres habitants de la région une anomalie de fonctionnement dans la gestion de la commune, un manque de démocratie. Ou la folie du maire. Eh Croyez-moi, c'est un truc qui se voit, ça, que les gens prennent en photo, qu'ils filment avec leur téléphone, ces roues avant qui donnent un air bancal aux voitures au feu rouge. En plus, une voiture, par définition, ça va partout, ça emporte cette mini-propagande à travers le département. Tu les retrouves à Albi, à Rodez. Et, et tu peux pas invoquer le trouble à l'ordre public ou à la sécurité. Tu peux pas déployer un bataillon de gendarmes contre des pneus peints qui donnent à la voiture un air bizarre. Donc le but est atteint. Tu désignes un malaise en créant un autre malaise. Et personne ne peut t'arrêter au péage pour trouble à l'ordre public, même si tu peins le, le flanc du pneu à la bombe jaune fluo. On lui demande. Alors là, a répondu Gustave, je dis pas. Avec le climat actuel, ils sont capables de décréter qu'une couleur est hors la loi. Mais ça serait une expérience intéressante à faire. Je soupçonne Gustave d'avoir dit tout ça une fois de plus pour que je vous en parle, car comme vous le savez, il veut rencontrer les gilets à Paris. En attendant, abonnez-vous, merci. jeune, youtubeur, travesti et d'origine marocaine. Bref, il a toutes les qualités pour représenter la France à l'Eurovision. Il s'appelle Bilal Hassani et il fait partie, selon le magazine Tétu, des 30 LGBT qui font bouger la France. Rien que cela, merci Bilal. Le poisson est tellement gros que même les chroniqueurs autorisés commencent à tousser. L'un d'eux, Mathieu Delormeau, sur le plateau de Touche pas à mon poste, s'interrogeait récemment Je le cite, Est-on en train d'édire quelqu'un qui est différent ou quelqu'un uniquement sur une chanson ou un vrai talent les ficelles sont tout de même un peu grosses et la propagande ne convainc plus personne. Plus personne ne veut croire en réalité à la spontanéité et à la fraîcheur de la, candidateur, de la candidature pardon, du jeune homme en concours musical international. Et si encore on le jugeait à l'aune de ses mérites musicaux, mais quand il ouvre la bouche, c'est encore pire. Le monopole de la culture de gauche, le monopole de la gauche en général, sous la forme avancée qu'est le mouvement LGBT, n'est pas nouveau. En 2014, Conchita Wurst avait déjà remporté l'Eurovision au nom de l'Autriche, pour les mêmes raisons que celles qui ont présidé ces dernières semaines au choix du candidat Hassani pour la France. Mais les doses d'idéologie injectées sont aujourd'hui telles que, notre grand corps social, qui est un petit peu malade tout de même, ce grand corps social de la culture européenne, suffoque et réagit. Est-ce suffisant pour inverser la tendance Malheureusement, nous en doutons, d'autant que le combat culturel est bien souvent le cadet des soucis des représentants dits de droite, bien plus préoccupés par l'amélioration des résultats économiques, l'allongement de, la de la retraite ou je ne sais quoi d'autre. Faisons confiance, une fois de plus, au bon sens des peuples, seuls les peuples pourront renverser la table de mixage.